أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, nous mettons à votre disposition la version française du film intitulé La vie après la mort. Pourquoi faisons-nous cela? Car vu l'effet que ce film a fait dans notre société, vu le bouleversement que ce film a fait dans le bon sens dans notre société, et vu que la plupart de nos concitoyens qui ne comprennent pas très bien la langue djoula, nous avons senti le besoin de mettre à votre disposition cette version française. Alors, le traducteur de cette version se nomme Sangaré Ladji, qui est un oustaz qui réside à Marcoury, qui peut être joint au 08 07 13 28, et le producteur de cette traduction se nomme Cissé Youssouf, qui est d'ailleurs le producteur de la traduction en djoula, qui peut être joint au 07 39 06 42 ou au 01 13 37 78. Et le technicien qui nous aide à faire ce travail se nomme Doumbia Mohamed. Alors, ce film nous donne l'explication de ce que un jeune qui vivait pleinement sa vie, nommé Hassan, a vécu. C'est une expérience qu'il a eue dans sa vie, une expérience que nous tous, nous allons partager, Inch'Allah, en regardant ce film. Car il se donnait à toutes des actes, à toutes les actes qui n'étaient pas autorisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait seulement ce qui lui semble bon et s'en fichait si c'était vraiment en cohérence avec les principes de l'islam, qui est sa religion. Alors, ce qui s'est passé dans sa vie l'a vraiment marqué. Et on a voulu donner ça en image et en même temps traduire les paroles à la langue française pour que tout le monde puisse en tirer profit, pour que ce soit quelque chose qui nous donnera la chance de prendre conscience et qui fera de nous des musulmans pieux et sincères, des musulmans dévoués à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce film essaie un peu de nous faire comprendre ce qui se passe après la mort. Certes, aucun mort vivant ou aucun revenant n'est venu nous relater ces choses-là, mais nous l'avons vu dans le Saint-Coran, dans la parole incréée et humiliable d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est d'autre que la vérité, et dans les récits prophétiques de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, nous mettons en image ces récits-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait montrer à des gens comme Hassan par exemple, comme vous allez le constater, Inch'Allah, quand le film sera en cours. Alors, sur ce, nous allons commencer à traduire le film en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister tout au long de cette traduction, car il est celui que l'on doit implorer secours et c'est celui que nous adorons. Alors, chers frères, chères sœurs, voici le film qui va commencer. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est un film vraiment qui est plein de sagesse. Un film qui est effrayant et en même temps qui nous instruit, qui nous fait comprendre que la vie ne se limite pas à ces choses éphémères que nous voyons, mais qu'il y a l'au-delà. Alors, voici le père de Hassan. Ce monsieur saint, ce monsieur qui est en train de lire
le dua, en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il implore son pardon. Il implore sa miséricorde. Il lui demande de ne pas lui faire subir la damnation du jour de la rétribution. Il l'implore. Il lui demande pardon. Étant donné qu'il est saint, car même les saints craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certes ce qui leur donne la force de continuer le chemin dans la spiritualité. Il ne faut jamais se sentir à l'abri de la damnation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours le craindre perpétuellement. Alors voici le père de Hassan qui est en train d'implorer Allah. Et voilà Hassan lui-même qui ne s'en fout, qui ne se soucie pas, qui est en train d'écouter de la musique. Il est couché. Il jouit pleinement de sa vie comme il l'entend. Il ne pense même pas à la mort. Il ne pense même pas au jour de la rétribution. Il est avec ses amis qui sont en train de jouer, qui sont en train de regarder la télé. Ils causent de rien et de tout. Ils sont insouciants. Et voilà d'autres qui sont en train d'écouter des sonneries de portables ou même en train de regarder des images malsaines, des images de filles nues, des pornographies, qu'Allah nous en préserve. Et voilà un autre qui arrive. Il salue ses amis. C'est Hassan qui les a invités chez lui. Ils sont à une veillée alors que son père est en train d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il finit juste de l'implorer et va se coucher chez lui à la maison, dans sa chambre bien sûr, alors que les autres sont en train de s'amuser, Hassan et ses amis. Ils s'amusent alors que la nuit est vraiment, il est très très tard, mais ils ne s'en soucient rien. Chez eux, la vie n'est qu'une partie de jeu. Ils ne se disent même pas qu'après la durée que nous avons fait sur cette terre, nous allons rendre compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en train de regarder la télé, parler de tout et de rien, des filles qu'ils ont rencontrées. Ils sont en train de regarder des images malsaines, des filles en train de danser presque nues, des images que nous savons tous, puisque nous avons ces gens de portables ici chez nous, à Abidjan même. Alors, ils sont là, insouciants. Et voilà Hassan, celui-même qui les a invités, l'auteur principal de ce film, qui est couché. Et il est actuellement 3 heures du mat. Et ils sont en train de jouer. Ils crient. Ils sont en train de bavarder jusqu'à le père de Hassan s'est réveillé. Tandis qu'ils n'ont même pas encore prié la prière de 19 heures. Alors il se réveille. Il se réveille et il va se diriger vers Hassan et ses amis. Arrivé au salon, il s'amuse. Et voyant Hassan, dit Hassan, Hassan, Hassan. Mais Hassan ne comprend pas, puisqu'il a le Walkman à l'oreille, des écouteurs. Hassan, Hassan. Ses amis ont pris conscience, mais lui ne sait pas. Et son ami lui dit, ton père t'appelle. Alors il lui demande, as-tu prié? Mais que fais-tu à l'heure ainsi? Lève-toi, allez, va prier. Et vous autres, vous n'avez pas encore prié? Mais qu'est-ce que c'est que cela? Alors les amis de Hassan ont eu honte. Ils se sont levés et commencé à partir chez eux. Car ils n'avaient pas prié, et tous, y compris Hassan. Alors son père lui dit, lève-toi, il va prier. Mais Hassan ne s'en fout. Il s'assoit, il ne dit rien. Son père éteint la télé. Et lui, au lieu de se lever pour aller faire sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche et continue d'écouter de la musique. Chers frères, chers sœurs, sachez que la jeunesse n'est pas le stade de l'inconscience. La jeunesse n'est pas le stade de faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. La jeunesse est une des phases les plus importantes dans la vie de l'homme. Alors, il faut savoir en profiter. Ce n'est pas en écoutant de la musique dans sa jeunesse que l'on est conscient. Mais il faut vraiment faire ce que Allah veut.
car nous allons vieillir un jour. Et c'est ce que nous avons sémé dans la jeunesse que nous allons récolter dans la vieillesse. Alors voilà Hassan qui attend. Le musée est en train d'appeler la prière. Pour la prière de l'aube, bien sûr. Alors qu'il n'a même pas encore fait la prière du 19e, celle de Richard. Il s'en fout, il écoute de la musique. Et il élève même le son de la musique pour ne même pas écouter, comment dirais-je, le son du musée. Et soudain, il y a une chose qui arrive. Au moment même où Hassan commence à dormir, au moment où il commence à dormir, quelque chose arrive. Quelque chose. Une personne effrayante. Hassan ne sait encore rien. Alors la personne vient. Et qu'est-ce qui se passe? Il est précisément 3h30. Hassan ne sait absolument rien. Il dort. Mais il se réveillera. Il dort. Hassan. Et qu'est-ce qui se passe? Il attend une voix qui l'appelle Hassan. 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 Alors il se réveille. Il se réveille. Qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose d'effrayant. Il est effrayé. Il cherche à s'enfuir. Mais où peut-il aller? Voilà la chose qui est arrivée. Et cette chose récite le verset suivant. Dit, l'ange de la mort viendra prendre votre âme, celui dont vous a été confié, et vous serez tous retournés auprès de votre Seigneur. C'est l'ange de la mort qui est venu rendre visite à Hassan. Et le voilà. Il s'approche de Hassan. Et Hassan cherche à s'enfuir. Mais où aller? Il dit, ayez pitié de moi. Et en même temps, il se rappelle de son enfance, de ce qu'il a fait depuis l'âge de sa puberté, les enfants qu'il a eu hors mariage, quand il fumait de la cigarette, du tabac, quand il portait la main à son papa et même à ses petits frères, quand il jouissait pleinement de sa vie avec ses amis, il s'en foutait insouciant. Soudainement, il se rappelle de tout cela. Et l'ange de la mort continue son œuvre. Le voilà qui est entre les cieux et la terre. En lui disant, toute âme goûtera la mort. Et vous serez retournés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le temps de la mort est arrivé, elle ne sera retardée, même pas une seconde. Et elle ne sera ni précipitée. Hassan pleure. Il pleure et l'ange de la mort va faire son œuvre. Tout lentement, soigneusement et parfaitement. Avec ce qu'il tient dans la main. Il dit certes, quand l'âme sera dans la gorge. Et les gens autour du malade diront, qui est le docteur le plus doué? Alors que le malade sait lui-même qu'il est vraiment temps de séparer ce monde. Et ses jambes, ses courtois, ses jours, il sera ramené vers son Seigneur. Hassan est terrifié. Son âme commence à sortir. Chers frères, chers sœurs, le supplice de la mort est arrivé avec la vérité. Regardez ce qui se passe. C'est cette mort que nous fuyons tous. Hassan a rendu l'âme dans sa tendre jeunesse. Et voilà son esprit, son âme qui sépare son corps. Et l'ange récite ses versets suivants. Faites sortir votre âme vous-même
car vous avez démenti ces signes qu'il a donné à ses prophètes. Et vous étiez vraiment arrogant quand il s'agissait de ses principes. L'esprit de Hassan a séparé son corps, car la mort n'est rien d'autre que la séparation entre le corps et l'esprit. Et l'ange de la mort, après avoir fait soigneusement son travail, se retourne, comme s'il n'a jamais été là. Alors le père de Hassan arrive, mais ne voit pas l'esprit. Il appelle Hassan. Il s'adresse à son corps. Puisque l'esprit est métaphysique, il ne peut être percevoir par la vue. Il dit, Hassan, réveille-toi. Il est là de prier, Hassan. Hassan. Tout ça à la présence de l'âme, de l'esprit. Il dit, Hassan. 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 Lève-toi et prie. Hassan. Le père est terrifié. Il est bouleversé. Il commence à pleurer. Son fils a quitté ce monde. Hassan. Il pleure. Alors que l'esprit assiste à tout cela. Et il se rend compte qu'il n'est plus de ce monde. Il se regarde. Il est étonné que son père ne le voit pas. Car il est métaphysique. Il n'est plus physique. Et lui aussi commence à pleurer. Il sait qu'il y a eu un changement. Chers frères, chers sœurs, cela pourrait arriver à nous tous. Même si nous dormions, on ne sait même pas quand la mort peut nous toucher. En étant dans une voiture, en dormant sur notre lit, même en marchant, Hassan est mort. Hassan est décédé. Et voilà le drap. Le drap dans lequel ils vont mettre Hassan. Le drap dans lequel ils vont mettre Hassan. Hassan, et voilà la tombe qu'ils sont en train de creuser pour Hassan. La terre qui est son origine. Car c'est de la terre que Allah nous a créée. Et c'est là-bas que nous retournons. Hassan est dans son drap blanc. Et rien ne peut l'enlever ce drap que seules les bêtes de la tombe qui dévoreront son corps ensuite. Le voilà qui est pris parmi ses amis, parmi ses frères, ses parents. Il l'amène Hassan. Chers frères, chers sœurs, craignons Allah. Ceci nous attend tous, car la mort est sûre et certaine. Toute âme goûtera la mort. Et voilà l'esprit de Hassan. Il est en train de suivre son corps. Il assiste à tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui suis-je? Que faites-vous à mon corps? Alors le corps est dans ce drap. Ses frères et ses amis le pleurent. Et lui-même regarde dans cela. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Voilà son père qui est en train de pleurer. Oh, vous les parents, vraiment éduquez vos enfants comme il se doit. Comme ce père était souciant pour que son enfant devienne un musulman pieux. Voilà l'esprit de Hassan qui est en train de se promener. Un de ses amis, ses frères, ses parents qui le pleurent. Hassan arrive et il voit les gens en train de lire le Coran pour intercéder à sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il assiste lui-même à la lecture coranique à son intention. Et son père en train de pleurer. Mes chers frères, chers sœurs, Hassan est là. Il sait que cette lecture ne lui bénéficiera pas. Il essaie de consoler son père. Mais il ne le peut, car il n'est plus de ce monde. Et cette lecture ne servit à rien à Hassan, car il n'a pas respecté le Coran. Il faisait seulement ce qui lui semblait être bon. Et voilà le Satan qui l'appelle. Il dit, Hassan. Attendant cette voix, il est effrayé. Il se dirige là où la voix arrive. Hassan.
Il regarde les gens qui sont en train de lire le Coran pour lui. Et le Satan l'appelle: Hassan, viens ici. Hassan arrive. Et voici le Satan, celui qui a été la cause de la perte de Hassan. Il est le seul à le voir. Il dit: approche Hassan, c'est moi ton compagnon. Approche Hassan. Il a peur. Il lui dit que Allah dit: quiconque se détourne de sa parole, il lui donnera comme compagnon un Satan qui le persécutera. Je suis le Satan que tu as obéi pendant des années, depuis lors que tu as été pubère. Depuis ce moment, c'est moi qui t'inspirais le mal. Et c'est moi qui, n'importe où tu étais, j'étais avec toi. C'est moi qui te rendais beau et belle les mauvaises choses que tu faisais. Il n'y avait d'autre personne pour t'égarer sauf moi. C'est moi qui t'a égaré avec tes amis. Et c'est moi que tu as suivi et que tu n'as pas voulu faire la prière pendant même le dernier jour que tu as vécu parmi les hommes. Et Hassan pleure. Il pleure, il dit: oh, que dois-je faire? Malheur à moi. Il dit: c'est moi ton compagnon qui était avec toi toute ta vie. Et c'est moi qui rendais très doux les musiques que tu écoutais comme si elles étaient celles du paradis. Mais tu ne m'as pas vu toute cette longue vie. Et tu ne savais pas que ce que tu faisais, c'était vraiment ton âme qui l'embellissait, et ainsi que moi. Alors te voilà aujourd'hui perdant. Et actuellement, tu n'es plus parmi tes amis. Tes amis dont tu passais tout le temps avec eux, ceux qui t'ont égaré, ceux qui t'ont mis dans le mauvais chemin. Aujourd'hui, tu me vois et tu es seul. Tu es seul. Et c'est moi l'œuvre, ce que tu as fait. Mais où peux-tu aller? Peux-tu t'enfuir aujourd'hui? Alors Hassan pleure. Il pleure son sort. Certes, tu étais en dérision de cela. Tu ne croyais nullement qu'un jour cela pourrait arriver. Et aujourd'hui, nous avons levé le voile qui t'empêchait de voir les choses dans leur pure réalité. Et ta vision aujourd'hui est plus que réelle. Fabasoruka liyaou mahadid. Tu vois toutes choses aujourd'hui à sa réalité. Voilà ton corps immobile, ton corps inerte. Et personne ne te voit. Personne n'attend ta voix. Personne. Sauf toi seul. Alors Hassan pleure. Il pleure. Son corps est là et l'esprit est là. Hassan pleure. Tout cela se passe et personne ne le voit. Car cela est réservé pour l'esprit. L'esprit de Hassan près de son corps. Chers frères, chers sœurs, cela nous attend chacun. Nous allons tous mourir un jour. Et si nous avons fait du bien, nous ne verrons pas cela. Mais si nous nous donnons à des actes ignobles, nous faisons la fornication, l'adultère, on escroque les gens, on trompe les gens. Certes, c'est cela qui va nous arriver. Nous allons regretter toute notre vie. Voilà ce qui est arrivé à Hassan. Et voilà, son esprit a repris place dans son corps. Et on va commencer à laver son corps. Le vieux qui lave son corps verse sur lui de l'eau. Mais en réalité,
C'est de l'eau chaude qui tombe sur lui, car l'âme subit tout cela, tandis que le corps est immobile. Nous, on ne voit pas cela, alors que l'âme est en train de subir un supplice douloureux. Regardez ce que l'âme est en train de subir, car elle n'a pas voulu obéir à son Seigneur. Elle l'a désobéi. Le vieux est en train de laver son corps. Et nous tous passerons par là un jour. Il pleure. Il implore le pardon. Mais c'est trop tard. Le pardon doit être imploré au moment où nous sommes en vie, pas après la mort. Alors Hassan est en train d'être puni. Et voilà, ils sont en train de lui mettre sa toute dernière tunique. Sa toute dernière tunique. Cette tunique, chers frères, chers sœurs, sera très bientôt l'appât et la nourriture des animaux les plus minimes que nous connaissons. Son corps sera dévoré par des bêtes. Ce joli corps, chers frères, chers sœurs, que ce monde éphémère ne vous égare point, car tout cela va finir un jour. Ce beau corps sera dans quelques instants dans la tombe, sous la terre, et elle ne suffira plus rien. Craignons Allah, soyons des musulmans dévoués. C'est dès maintenant que nous devons prendre conscience, pas quand la mort sonnera à notre porte. Chers frères, chers sœurs, n'embellissez pas ce corps, mais l'âme qui est à l'intérieur de vous. Car l'être humain n'est d'autre que son âme. Ce corps va pourrir un jour. Chers sœurs, vous qui frottez des produits éclaircissants, vous qui vous tissez avec des mèches, arrêtez cela. Car un jour viendra où vos amis, après avoir prononcé vos noms, se précipitera de dire père à son âme. Un jour viendra, chers sœurs, chers frères, où le monde, après t'avoir utilisé, te rejettera dans un périmètre misérable. Chers frères, chers sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux avant qu'elle ne se ferme pour toujours. Voilà le corps de Hassan qui est accompagné par ses frères, par ses parents qui le pleurent, qui regrette qu'il les a quittés si jeunes. Si jeunes. Hassan n'a que 20 et quel ans dans ses vingtaines. La mort n'a pas d'âge, n'a pas de moment. Le père de Hassan le pleure. Il le pleure. Ils amènent Hassan à sa dernière demeure. Et soudain, sans que ces gens le voient, le chien est sur le corps de Hassan. Un chien. Cela apparaît bizarre. Qui est ce chien? Qu'est-ce que ce chien fait sur le corps de Hassan? Il l'amène au cimetière. Et Hassan le suit. Il les accompagne. Tout cela se passe à sa présence. Mais que peut faire Hassan? Il n'est plus de ce monde. Hassan l'a su. Et soudain, il voit le chien sur son corps. Son père en train de pleurer. Il dit, père, mon père, qu'est-ce qui se passe? Père, me voici. C'est toi, c'est moi ton fils. Père, c'est moi. Tu ne me vois pas, mon père. Le père ne peut le voir, car il n'est plus de ce monde. Dis, mon père, c'est moi. Papa, qu'est-ce que ce chien fait sur mon corps? Qu'est-ce que ce chien fait sur mon corps, papa? Qui est ce chien? Père, viens d'où? D'où viens-tu, ce chien? Il vient d'où, ce chien, mon père? Mais d'où viens-tu, ce chien? Qui est ce chien, mon père? Mon père! Mais le père n'attend rien de tout cela. Car
il n'est plus de ce monde comme je l'ai dit tantôt. Et le Satan l'arrive. Où amenez-vous mon corps? Où amenez-vous mon corps? Et le Satan arrive. Il lui dit, il dit, Hassan, ne t'ai-je pas dit que ta vision, ne t'ai-je pas dit que ta vision sera dès maintenant plus que réelle, que le voile qui était à ta vision se levera et tu verras les choses dans leur pure réalité. Mais ces pauvres gens ne voient pas ce chien sur ton corps, car ils sont comme en train de dormir et ils se réveilleront. Le jour, ils seront morts comme toi. Ce chien dont tu vois sur ton corps, c'est les actes ignobles que tu as posés dans ta vie. C'est ce que tes deux mains ont mis devant toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où l'être humain verra ce que ses deux mains ont fait, les actes qu'il a fait, il dira, oh mon Dieu, il fallait me créer comme de la poussière. Al-Hassan dit, mon Dieu, même si j'étais de la poussière, même si j'étais de la poussière, mon Dieu. Et voilà la tombe de Hassan, la tombe qui rougit. Et voilà ce chien qui n'est que le résultat des actes blâmables que Hassan a fait, qui est dans sa tombe. Mais ceux-là ne voient pas cela. Ils ne voient pas cela. Ils vont poser Hassan dans ce trou misérable, dans la terre, dans la boue, car Allah l'a si bien dit: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah dit: certes, c'est de la terre que nous avons créée, et nous allons vous mettre aussi dans la terre. Alors Hassan dit: mais où amenez-vous mon corps? Où vous le mettez? Dans ce trou. Alors, l'ange lui dit: vois-tu ce trou? C'est ça ta dernière demeure. Vois-tu cette tombe? Cet homme que tu fuyais. Voilà. Voilà ce dont tu te tournais. Aujourd'hui, tu le vois avec tes yeux. Certes, Allah vous fera mourir et vous serez dans la tombe. C'est ici que ton corps sera dépiécé. C'est ici que ta peau sera décomposée. C'est ici que tes yeux, ton ventre, tout ton corps sera décomposé en pièces. Et ce que tu vois, ton père et tes amis, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ce sont eux-mêmes qui te prendront avec leurs mains et te rejetteront dans ce périmètre misérable, dans la terre. Certes, Allah dit, vous allez venir à nous par personne, un à un, comme de la manière dont nous vous avons créé. Hassan pleure son sort. Chers frères, chers sœurs, c'est nous un jour qui sera dans la tombe, dans la boue, dans la terre, alors que c'est nos proches, parents, nos amis, ceux dont on a passé le meilleur moment de notre vie avec eux, ils sont ceux là qui vont nous mettre dans la tombe. Et soudain, la tombe prend feu. Hassan le voit car il est esprit actuellement. Il voit toutes choses de sa réalité. Mais les autres ne le voient pas. Il dit, mais où m'amenez-vous? Où m'amenez-vous? Laissez-moi. Où m'amenez-vous? Hassan ne peut plus rien faire. Il est tiré dans le feu. Chers frères, chers sœurs, regardez cela et méditez profondément. C'est dans la tombe que lorsque le châtiment va commencer. Même pas dans l'au-delà. Dans la tombe que cela commence. Car la tombe est la première place de l'au-delà.
Hassan dans le feu, en train de brûler. Et Hassan se réveille. Soudainement, il se rend compte que c'est un rêve. Il pleure. Mon père, papa. Hassan ne croit pas. Tout ceci s'est passé dans un laps de temps. Il était précisément 3h30 et à 35, moins de 35, il s'est réveillé. Il avait tout cela. Dans un laps de temps, dans un petit sommeil, Dieu lui a fait montrer cela. Il rêvait. Allah lui a fait prendre conscience. Et Hassan pleure. Il se jette dans les bras de son papa. Il sait que certes, Allah lui a montré ses signes pour qu'il se repente. Et à notre tour, on vous les fait montrer pour que vous vous repentez. Faire du péché n'est pas aussi grave. Mais c'est de ne pas se repentir. Repentez-vous, chers frères, chers sœurs, jeunes frères, jeunes sœurs. Venez à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentez-vous. Allah a fait cela à Hassan pour qu'il prenne conscience. Et nous, à notre tour, puisque ce film n'a été réalisé que seulement dans ce but. Et voilà Hassan qui s'est repenti, qui est en train de prier. Chers frères, chers sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez à revenir vers votre Seigneur? Soumissez-vous à sa volonté. Priez Dieu. Écartez-vous des actes ignobles. Car même si on vous lit le Coran tout entier, après votre mort, le Coran ne vous servira à rien. Comme Hassan l'a vu. Comme il l'a vu dans son sommeil. Car il y a été consacré des lectures coraniques. Pour que cette lecture intercède à sa faveur. Mais il n'a bénéficié de cette lecture. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un bon caractère. Chers frères, chers sœurs, l'islam c'est le caractère. L'islam c'est le savoir-vivre. L'islam c'est un mode de vie. L'islam ne se limite pas seulement aux prières. Et Hassan revoit cette fameuse vision. Il se prosterne et il voit au moment où son âme quittait son corps. Il voit revenir toutes ces images. Chers frères, chers sœurs, cela nous sera subi à tout homme. Chers frères, chers sœurs, chers frères, chers sœurs, prenez conscience. Comme Hassan l'a pris, prenez conscience pour ne pas que nos actes injustes se transforment en chiens comme nous le voyons. Chers frères, chers sœurs, vous qui êtes aujourd'hui dans la perdition, car tout homme sait la relation qu'il lie avec Dieu. Il est bon ou mauvais. Répentez-vous comme Hassan l'a fait. Prenez garde. Prenez garde. La jeunesse n'est pas le stade de l'inconscience, comme je l'ai dit. C'est dans la jeunesse qu'on prépare sa vie ici-bas et même sa vie dans l'au-delà. Chers frères, chers sœurs, et sachez aussi que Hassan, son père était musulman. Mais cela ne lui a suffi à rien. Donc être issu d'une famille musulmane ne fait pas de nous des musulmans. Car l'islam n'est pas une religion héréditaire. L'islam n'est pas une religion consanguine. Mais l'islam est une attestation par la langue, passant par une conviction par le cœur et des actes posés par nos membres. L'on devient musulman, mais on n'est pas musulman. Alors, chers frères, chers sœurs, que ces choses ne vous égarent pas. Mon père est un imam, ne fais pas de toi un jeune du paradis. Mon père prie, ma mère prie, mes parents sont des musulmans, ne fais pas de toi un jeune du paradis. Il faut que toi-même tu poses des actes bien, des actes qui sont en cohérence avec les pratiques de l'islam. Car nous constatons vraiment, chers frères, chers sœurs, que nous voyons des pseudo-musulmans dont les actes sont diamétralement opposés aux principes de l'islam. Chers parents, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Ne laissez pas vos enfants aller à l'abattoir. Car laissez sa fille sortir avec des mini-jupes, des pantalons badef, des tailles basses et des petits tricots. Des tricots sans manches, des bramès, cela mène à la perte de votre enfant et ainsi à la vôtre. Cher père, chère mère,
prenez conscience comme Hassan le fait. Actuellement, il rend visite aux morts. Il se rend au cimetière. Il se rend au cimetière pour méditer. Car il sait ce qui se passe dans ce trou. Puisque Allah lui a montré ne seulement un échantillon. Alors, chers frères, chers sœurs, prenez garde. Prenez garde. La mort nous atteignera tous. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chers frères, chers sœurs, chaque âme goûtera la mort. Et cette mort s'est faite pourquoi? Pour que nous soyons récompensés de ce que nous avons fait dans le monde ici-bas. Alors celui qui sera éloigné de l'enfer et enterré au paradis sera certes parmi les bienheureux. Et la vie ici-bas n'est d'autre qu'un laps de temps. Alors qu'elle ne nous égare pas. Chers frères, chers sœurs, nous mettons à votre disposition ce présent film à la langue française pour que nos concitoyens, musulmans ou pas musulmans, puissent profiter largement. Et nous profitons de ce film pour vous donner l'information que nous avons écrit un livre intitulé « L'homme n'est-il musulman ?» Le livre est écrit par votre serviteur Sangaré Ladji, qui est même le traducteur actuel. Ce livre est écrit en arabe et a été traduit aussi en français. Ce livre sera bientôt à votre disposition. Alors que chacun s'en procure pour avoir plus de connaissances de sa religion, pour que nous soyons tous des musulmans pieux et sincères, des musulmans dévoués à la cause d'Allah, pour que nous soyons purs et saints comme Hassan est devenu. Être méchant n'est pas aussi grave, mais de ne pas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala qui est grave. Alors sur ce, nous allons vous quitter en espérant que tout le monde a pris conscience, que tout le monde sera comme Hassan, un fervent musulman, un bon serviteur de Dieu. Chers frères, chers sœurs, nous allons vous quitter sur ces paroles et nous insistons toujours sur le fait du livre qui sortira bientôt, qui est « L'homme n'est-il musulman ?» Voilà Hassan, il sait qu'il vient de la poussière et c'est de là qu'il partira encore. Alors que tout le monde s'en procure le livre qui sortira bientôt, « L'homme n'est-il musulman ?» Il est disponible chez le producteur de cette traduction. Il y a la version originelle en arabe et la traduction en français. Alors, chers frères, chers sœurs, qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous donne la foi, la compréhension de sa religion, qu'il fasse de nous des gens du paradis. Regardez Hassan, il lit maintenant le Coran. Il n'écoute plus la musique, mais seulement il savoure le Coran. Il le lit. Thumma yatoubullahu min ba'di dhalik. Que Allah certes accepte notre repentance. Hassan pleure. Il pleure tout ce qu'il a fait. Il s'est repenti. Et certes Allah va accepter la repentance de Hassan, car il est sincère dans sa repentance. Chers frères, c'est ce qui est important, que nous soyons vraiment, chers frères, sincères dans notre repentance. Ne plus revenir sur ce que nous avons fait, car pour que la repentance soit acceptée par Allah, il faut trois conditions. Regretter ce que nous avons fait, ne plus revenir là-dessus, et si nous avons causer du tort à quelqu'un, lui demander pardon. C'est avec ces trois conditions que Allah accepte notre repentance. Alors, chers frères, regrettons ce que nous avons fait et en même temps, ne revenons plus là-dessus. Car si vous revenez là-dessus, ce péché ne sera point pardonné. Qu'Allah nous aide. Alors, Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.